Alors, ça y est, c'est le temps d'aller tester les connaissances acquises et le matériel que j'ai acheté toute cette année pour la High Sierra Trail. Et là, je m'en vais à New Russia faire Rocky Peak par en arrière, par l'est. Donc, je suis pas mal nerveux. Je viens de dire bye à Jane et Lily. Puis, j'affronte l'inconnu. Ma première belle vue des Adirondacks en 2 ans. Je suis arrivé au début de la piste, donc il y a quand même pas mal de monde dans le stationnement. J'ai l'impression que c'est des gens qui finissent aujourd'hui, par contre. Donc, j'ai mon app est prête, mon Zolio est branché, j'espère. Et je m'apprête à commencer à marcher. Il fait comme 30 degrés, donc c'est pas mal chaud. C'est vraiment calme. Quelques petits Suisses qui courent de droite à gauche. Et quelques oiseaux dans les arbres. Mais en gros, je suis seul au monde. Ça monte. Il fait chaud. Ah, ça fait... C'est bon de s'être entraîné parce que, honnêtement, c'est pas facile. C'est fun, mais... OK. On va voir notre première vue de la journée. Après 2,5 km. Oh, c'est joli ici. À date, j'ai juste fait la partie jusqu'ici. Je suis vis-à-vis le truc marqué 117, puis il faut que je m'en aille ici. Donc, il me reste quand même un bon bout de chemin, puis ça fait quand même 1h34 que je suis parti. Donc, il est temps d'accélérer. Ça monte à pic. C'est par là. Pas mal plus à pic qu'au Mont Saint-Hilaire. Rempli de racines. OK, ça c'est épique. Petit break pour un snack. Du beurre d'amande avec des biscuits. Puis avec une vue superbe pour m'accompagner. Ça fait
5 km que je marche, presque, en 2h30. Ça monte jusque là. Pour l'instant, oh, que je m'en aille. Ici, c'est très bien indiqué, la piste, avec des balises jaunes un peu partout. Genre de montée qu'on ne pogne pas par chez nous. Tout ça de la roche. C'est vraiment beau. Ah, changement de chapeau, parce que là, je suis exposé. Puis, je comprends pourquoi il faut mettre un petit chapeau comme ça. Il fait très chaud. Puis, vraiment beaucoup de vent. Ça devient un peu plus rough comme trail. Je viens de dépasser le dessus de la base de pic. Je soupçonne qu'il y a un peu moins de monde qui vient entre Lucky Ridge et Bald Peak. Parce que la piste vient de se resserrer sérieusement. Je suis bien content d'avoir ma petite cloche à ours. Ouf! Là, honnêtement, je suis bien confus. C'est peut-être ça. Mais Colin, c'est gros. La trail est rendue. C'est un lit de rivière. C'est pas facile. Ça descend un pic en tabarouette. On va se péter la gueule. Le temps passe. Je commence à trouver que c'est long. Je suis dans une forêt de boudeau. C'est magnifique, très très calme, partout autour, des beaux boudous. Ok, au boulot. Salut, c'est vraiment tough ici, c'est quand même... Ah! Un lit de rivière. Juste des racines. Des arbres, puis ça monte à pic. Faut souvent utiliser les mains pour réussir à monter. Alors c'est pour ça que je ne fume pas beaucoup. Parce que c'est trop tough. Alright. J'utilise ma deuxième main. La beauté des Adirondacks, c'est qu'après un tel sentier, on a une belle récompense. Il faut croire que des fois, il y a beaucoup plus d'eau ici. C'est les premières traces d'aménagement de piste que je vois. Bien entendu, au-delà des roches qui ont été placées à des endroits. Là. Ah, ça fait du bien d'être sur le plat. Je suis content de voir ça.